Alors, est-ce que tu aurais envie de nous parler un petit peu de ton travail de thèse ? Oui. Alors, comme j'en suis qu'au début, c'est un peu difficile pour moi de mettre des mots dessus et d'exprimer simplement. Mais pour le dire le plus simplement possible, je travaille sur l'intersection entre les parcours de consommation de drogue et les parcours de participation à des communautés numériques. Et donc, en particulier, je regarde qu'est-ce qui se passe dans les parcours de vie des personnes consommatrices de drogue qui, à un moment donné, rejoignent une communauté numérique, comme... Un forum, un groupe Facebook. Je travaille surtout aussi sur l'auto-support et voilà. Et l'impact que ça peut avoir sur un parcours de vie ou de consommation, du coup. Exactement. Impact, je ne vais pas chercher à comprendre ça du type positif ou négatif, mais plutôt qu'est-ce que ça change dans les parcours de vie des gens. Tu peux nous en citer un peu à titre d'exemple pour des consommateurs, consommatrices qui ne connaîtraient pas vraiment d'espace d'auto-support numérique ? Les plus connus, c'est les forums, en tout cas en France. Donc il y a Psychoactif, que beaucoup connaissent, Psychonautes, que les gens connaissent un petit peu moins, donc qui sont de forums. Ensuite, pour les groupes Facebook et les groupes Discord, je pense qu'il vaut mieux pas que j'en parle comme ça ouvertement, parce qu'il y a le problème de la censure dû au fait que ce soit sur des plateformes propriétaires et modérées. Donc je pense qu'il vaut mieux que les gens cherchent par eux-mêmes et les trouvent par eux-mêmes. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pour les protéger que je préfère pas... Et est-ce que tu observes des spécificités à ces espaces numériques qui seraient différentes, tu vois, d'un groupe de parole dans la vraie vie ? Eh ben, en fait, j'ai jamais assisté à un groupe de parole dans la vraie vie, mais il me semble que les groupes de parole dans la vraie vie sont généralement plutôt axés sevrage, abstinence, voilà. Alors que là, on est vraiment dans des groupes d'autosupport qui vont être dans la ligne de la RDR, on va dire, d'autosupport, qui est comment vivre avec les drogues, et non pas comment... vivre sans les drogues. Ensuite, il y a des gens qui veulent arrêter, et généralement ils reçoivent du soutien, mais c'est pas du tout un prérequis, pas du tout. Ok. Et j'imagine que ça comble aussi parfois un besoin de manque de structure physique ou de rencontrer d'autres consommatrices qu'on n'arrive pas à rencontrer dans la vraie vie, quoi. Ah bah c'est l'un de mes axes d'études, c'est comme ça que je rencontre, on va dire, des consommateurs solitaires qui n'ont pas d'amis consommateurs dans la vraie vie et tous leurs pairs sont virtuels. C'est très intéressant. On va parler du coup de la descente et des risques liés à la consommation de MDMA. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'une descente de MD ? De quoi on parle ? Oui, alors c'est un grand sujet. Moi, j'aime bien faire la différence entre la descente et le contre-coup. Toutes les drogues ont une descente. La descente, c'est le contraire de la montée, c'est quand les effets s'arrêtent. Une particularité de l'MDMA, c'est que cette descente semble s'accompagner souvent d'un contre-coup. C'est-à-dire que les usagers ressentent un sentiment de dépression, de fatigue, de tristesse, qui est en quelque sorte équivalent au sentiment de bonheur qu'ils ressentaient juste avant. Il y a des gens qui ne ressentent pas ce contre-coup à la première prise, mais seulement lors d'une intensification des consommations. Il y a des gens, au contraire, c'est vraiment la première prise qui est plus dure, et ensuite ça s'atténue. C'est un phénomène qui est assez vraiment particulier aux individus. Et à quoi c'est dû ? C'est une excellente question. Alors on pourrait penser que c'est la faute de l'MDMA elle-même, comme si elle nous vidait un peu de notre joie de vivre et qu'on avait à payer la joie qu'on a eue juste avant. Et pourtant, c'est une hypothèse qui a été un peu investiguée en laboratoire. Et jusqu'ici, en laboratoire, on n'a pas réussi à reproduire de contre-coup en donnant juste de l'MDMA à des gens. Par exemple, il y a des études cliniques, on a donné, donc, comme toujours, entre 75 et 125 mg maximum de MDMA, donc l'équivalent de petit à gros para qu'on donnerait en teuf, à des gens qui souffrent de traumatisme. Et ensuite, ils ont investigué les effets négatifs que les gens avaient jusqu'à 7 jours après la prise. Et alors, il y a l'association MAPS qui s'occupe un peu de faire la synthèse de toutes ces études, qui a conclu qu'il n'y avait pas de différence significative entre des personnes qui n'avaient pas pris de MDMA et des personnes qui avaient pris de la MDMA en ce qui concerne les symptômes dépressifs après la prise. En tout cas, en ce qui concerne l'humeur, l'anxiété et la fatigue.
Voilà. Et pourtant, on ne peut pas nier le ressenti des gens qui vivent un contre-coup après une prise de MDMA. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres causes. Il y aurait d'autres facteurs, peut-être plus liés au contexte, du coup. Eh bah, d'abord, il ne faut pas oublier le problème des dosages, encore une fois. On y revient toujours, les expériences en labo, on ne dépasse pas 125 mg. Il n'y a qu'une seule prise aussi. Donc peut-être qu'avec des dosages plus hauts, on arriverait à quelque chose de différent. Alors que dans un week-end, parfois les gens vont en prendre plusieurs fois, ou ils vont en prendre le lendemain, ou alors ils vont prendre 300 mg d'un coup. Donc déjà, ça, c'est une grosse différence entre le cadre clinique et le cadre réel. Et puis aussi, l'étude dont on a parlé, elle se passe donc dans un cadre calme, au frais, en journée, sans mélange, sans alcool, avec de l'eau à disposition. Et en plus, on exclut les personnes qui ont des troubles psychiatriques ou dépressifs. Donc c'est quand même des conditions qui sont très contrôlées et qui assurent déjà de base que tout va bien se passer. Donc on est vraiment très loin de soirées bondées, mal ventilées, ou alors dans un champ où il fait moins 10 avec de l'alcool et un manque de sommeil. Ce que ces études montrent, c'est que la MDMA seule à dosage raisonnable ne produit pas par elle-même de contre-coup. Mais ça ne veut pas dire que prendre de la MDMA ne fait pas de contre-coup, on ne nie pas le ressenti. Mmh. Donc peut-être que c'est le résultat en fait d'une combinaison de facteurs. Par exemple, la fatigue. Lorsqu'on vient de passer une soirée à balle, on a plutôt besoin de se reposer. Et généralement, le contexte tough n'est pas vraiment le meilleur endroit pour ça. Il y a l'effet coupe-faim aussi de la MDMA qui fait que souvent, lorsqu'on redescend, bah, en fait, on est affamé et on ne se rend pas forcément compte. La déshydratation aussi. On peut ne pas ressentir la soif ou ne pas y porter attention parce qu'on est trop occupé par la fête. Mais en fait, la déshydratation, ça fatigue, ça met une mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau, surtout si on mélange avec d'autres produits. Et aussi l'espacement de 6 à 8 semaines, et en fait, il faudrait même davantage si c'est possible. Ne pas respecter cet espacement, ça pourrait empirer les choses, parce que en fait, le cerveau, du coup, n'a pas le temps de se remettre entre deux prises, ce qui est important, bien se remettre, bien se reposer, comme d'habitude. Et puis ensuite, il ne faut pas juste sous-estimer un mécanisme psychologique qui est la simple déception de ne plus être sous effet. C'est sûr que lorsqu'on était tout content, tout happy, la musique est géniale, on est potes avec tout le monde, et tout d'un coup, on se retrouve dans le vrai monde, il fait froid, les gens ont l'air un peu éclatés, etc., bah, ça produit une déception qui a un effet réel, en fait. Mmh. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ce contre-coup moins pénible ? Et bah, si, au lieu d'une simple descente, on ressent un contre-coup, je pense que c'est l'occasion de réfléchir à la façon dont on consomme et au contexte où on consomme. Donc peut-être que les personnes qui ressentent ça forcent sur les dosages. Peut-être qu'elles font des mélanges, peut-être qu'elles s'épuisent pendant le trip, qu'elles courent partout et qu'elles prennent pas le temps de se reposer. Peut-être qu'elles devraient prévoir pour leur descente un cadre un peu sécurisant, peut-être leur voiture avec des coussins, une musique agréable et des copains. Peut-être qu'il y a aussi tout simplement besoin de faire une pause dans la consommation. Peut-être aussi que la MDMA n'est pas fait pour eux. C'est pas automatique, les drogues, parfois, juste... Il y a une drogue, bah, on s'entend mal avec. Mmh. Il y a un moment où ça fonctionne pas, où ça fonctionne plus, et c'est OK, quoi. Voilà, c'est ça. Tout le monde n'a pas le même rapport aux drogues, et c'est pas grave de pas ressentir la même chose que les autres. Il y a certaines personnes qui préconisent de prendre des compléments alimentaires pour réduire la sensation de déprime. Le postulat de ça, enfin, qui va derrière, c'est que en fait, la MDMA aurait une neurotoxicité, donc serait toxique pour les neurones, et que le contre-coup serait dû à cette toxicité, et que ces compléments alimentaires réduiraient la toxicité. Il n'y a vraiment rien de prouvé à propos de l'ensemble de ce raisonnement. Mais si ça vous fait du bien... C'est pas une raison de s'en priver. En tout cas, ça fera pas de mal, ouais. Mais il y a rien qui prouve que ça ferait du bien, quoi. Voilà, il faut pas le prendre comme une espèce de passe-droit pour faire n'importe quoi. Demain, je prends mon magnésium, tout ira bien. Non, c'est pas ça. Il faut prendre soin de soi, prendre soin de l'environnement, et si en plus les compléments alimentaires font du bien, et bah, pourquoi pas pour vous, quoi. Mais ça remplace pas un vrai questionnement sur sa façon de consommer. Voilà.